Alouette, toujours plus d'invités. Bonjour Slimane. Bonjour Slimane, bienvenue sur Alouette. De quoi tu me parles? Dans ma tête, y'a toi et moi. J'aime que mes chansons puissent appartenir aux gens, ouais. Et que du coup ils fassent leur propre histoire et qu'ils n'écoutent pas la chanson avec mon prisme à moi. Donc oui, je l'ai écrit pour quelqu'un que j'aimais très fort. Sur les 19 chansons de Chronique d'un Cupidon, combien sont 100% autobiographiques? Franchement, elles le sont. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais elles le sont toutes. Après, autobiographiques, non. Il y a des chansons où je parle, par exemple, dans Le Noir, je me mets à la place de ma maman, donc oui. C'est pas vraiment autobiographique, mais en tout cas, ça raconte quelque chose que je vis de très près. C'est très rare que j'invente des histoires pour écrire des chansons. J'ai la chance que mes musiciens soient aussi les beatmakers et les arrangeurs de cet album. Et du coup, on avait un studio avec nous qu'on emmenait partout dans des fly caisses, donc les grosses caisses là, de tournée. Et à chaque fois, dans des loges de salles de concert, on repositionnait le studio. Génial. Et on enregistrait. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Est-ce que être papa, ça t'a changé la vie? Ah oui, ça m'a bouleversé de tout de A à Z. Mais c'est un beau bouleversement, ça remet tout en question et de la bonne manière, je crois. À un moment donné, ça pose les choses et c'est juste le bonheur de ma vie, quoi. Normalement, je partirai en tournée solo fin 2023, début 2024. Et je sais aussi déjà que ce sera un peu deux tournées en une, c'est-à-dire qu'il y aura une tournée avec une grosse équipe et une tournée en équipe un peu plus acoustique, plus réduite. Slimane, merci de t'être levé merci de bonne heure merci pour venir vous. Jusqu'à nous. Merci. On te souhaite une très belle fin de tournée. Alouette, première radio régionale de France.